Mon nom est Nino Bassel, je suis un des fondateurs de la brasserie de Ranc à Dottigny. On est brasseur surtout parce qu'on est passionné par la bière. Et ce qu'on fait ici dans notre brasserie, c'est faire de la bière avec des vrais cônes doublons, des fleurs doublons au naturel. Et pas de filtration, pas de pasteurisation. Donc on essaye vraiment de faire des matières premières, les meilleures choses, de tenir toutes les bonnes choses de des matières premières dans nos bières. Pour moi, la bière belge, c'est beaucoup de différents styles. Si vous regardez dans le monde, il y a toujours dans tous les pays de bière, comme l'Allemagne, comme l'Angleterre, il y a beaucoup de bières. Mais si vous regardez la Belgique, il y a autant de styles différents que c'est incroyable. C'est unique au monde, c'est unique. Seulement on trouve ça en Belgique. Et c'est ça qu'on veut être un peu les apostoles de toutes ces bières-là dans le monde. Je ne sais pas en 2050, moi je ne serai plus là, mais en tout cas, ce que je pense que les gens vont commencer à boire différent que maintenant. Maintenant, la bière, c'est la bière. Et maintenant aussi, c'est le moment où les différences viennent. Il y a la bière industrielle qui sont fabriquées dans des grandes brasseries. Il y a des bières artisanales qui sont faites avec du passion et toutes les bonnes choses. Et ce sont vraiment deux mondes différents. Et je pense dans le futur, dans 2050, ça sera plus clair que maintenant, parce que maintenant, c'est un peu diffus où commencent les bières industrielles et les bières artisanales. Ce qui va ressembler la bière en 2050, c'est de nouveau difficile à dire, mais je pense aussi que il y a encore plus de variétés que maintenant, parce qu'il y a non seulement maintenant les Américains, les Japonais, les Chinois, les Australiens qui commencent à faire de la bière. Même les Italiens qui sont quand même connus pour le pays de la vin commencent à faire de la bière. Il y a 650 petites brasseries en Italie. Je suis sûr qu'on aura beaucoup plus de diversité que maintenant encore en 2050 et beaucoup plus de qualité aussi.